l'autre côté aussi. Bon les gars, vous pouvez me parler un peu de vous là, vous êtes qui? Je vous vois plein, vous êtes des potes, vous êtes une bande, vous êtes quoi? Ouais, des amis, un groupe d'amis. Hein. Un groupe d'amis, il n'y a pas de bande, c'est un groupe d'amis, on se connaît depuis un moment. Hein. C'est tout. Hein. Ouais, pour certains, ça fait un an, mais selon lui, ça fait 3 ans. Là, ça fait 4 ans, on se connaît, non. On a vécu des galères ensemble, tout ça. Ouais, c'est une équipe. C'est tout. Hein. Qu'on voit un peu des... Okay. Regarde, il est là-bas? Ouais, je l'ai appelé. Voilà. On voit ma tête là. Non, t'inquiète pas. Il coupe, il y a un zoom dessus, on peut réduire. Par contre, mais quand on a vu des images des bagarres un peu. Mmh. Quand vous voit arriver, vous êtes 80, c'est une bande ça. Ouais, ouais. Bah en fait nous on est beaucoup, pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous du même quartier. Voilà. Tu vois délire. Des mecs de partout, hein. Franchement, il y a des mecs de partout. Hein. Tu sais, chez Sous-Bois, tout ça, des mecs de Montfermeil, des mecs de partout, du 9-4, 9-1, il y a des mecs de partout. Hein. Il y a des mecs de partout. Et qu'est-ce que vous avez en commun là? On a quoi? On a un peu la même vie, on a la même vie, on a la même vie. Voilà. On a la même vie. Ouais. Et c'est quoi le rapport avec GDN et vous? GDN c'est quoi? C'est GDN. GDN c'est Gare du Nord. On se regroupe là-bas, quand elle est faite, tout ça, quand vous voulez se voir, en ce moment, comme Gare du Nord, trop de construction pour faire être à Saint-Denis. Non, c'est pas trop ça, c'est pour dire qu'à Saint-Denis, il y a déjà une équipe, tu vois. Il y a une équipe à voilà, Saint-Denis. Il y a une équipe à Saint-Denis. Voilà. Et avant les Zambouds, on était déjà à Saint-Denis. Voilà. Avant les Zambouds, il y a déjà une équipe de Saint-Denis, une équipe du Nord, tu vois. Mais c'est la même. Tu touches au Nord, tu touches à Saint-Denis. Tu touches à Saint-Denis, tu touches au Nord. C'est la même. C'est quoi une équipe? Une équipe, quand on dit une équipe, c'est. Un groupe. Un groupe de personnes, ouais. C'est pas un gang. Il n'y a pas de gang. Les gangs, c'est au state. Hein. Je sais pas. Bon, on n'a pas encore arrivé là quand même. On n'a pas encore arrivé là. Et. C'est quoi vos habitudes? C'est quoi votre vie, votre quotidien? C'est quoi, vous faites quoi? Il y en a, ils vont en cours. Il y en a, ils travaillent. Il y en a, ils font rien. Tu vois, délire. Moi, je vais à l'école. Moi, je taffe, moi. La semaine, je suis pas là. Je suis là souvent que le week-end. Tu vois, délire. C'est quoi votre relation à la violence? Parce qu'on a l'impression que pour vous, la violence, c'est. C'est quoi la violence? Déjà, à la base, la violence a toujours été. Hein. De manière, mais on vient tous de la banlieue, vous voyez. Maintenant, si. Voilà quoi, dès qu'il y a un embrouille, il faut bien se défendre, il faut bien. C'est ça la vie. Et dans la base, les embrouilles, ça a arrêté. Voilà. Il y a eu un test, ils ont perdu, ils ont voulu faire les fous, venir à Gare du Nord, planter des innocents. Voilà. Déjà à la base, il faut bien dire que la plupart des gens qui ont été plantés à Gare du Nord, on les connaît même je pas. Je le connais pas. Parce que si après, ils vont au Nord, ils plantent un jeune, passant dans une casquette, ils le plantent, ah, là, niquez un mec du Nord. Non, les mecs du Nord, ils savent où nous trouver. C'est pas évident. Ils sont là-bas, là, ils voilà. Ont rendu quoi? Venez à Saint-Denis. Voilà, ils sont pas venus. Pour venir à Saint-Denis, je vous dis direct, petit message, venez à Saint-Denis. Ils vont voir le truc de toute façon, je dois savoir. S'il y a un embrouille, venez à Saint-Denis. Voilà, venez à Saint-Denis. À Gare du Nord, il n'y a plus personne. Voilà, plus personne. Ça rentre dans la Gare du Nord, faire du son, planter une personne, venez à Saint-Denis. Ils viennent ici, ils regardent à un, ils regardent qu'il n'y a personne, ils font du boucan devant les gens, devant les meufs, ah, ils sont venus. Voilà quoi. Ça, c'est le reste de la Black Mat Dessou. La Black Mat Dessou. Explique-moi un peu, c'est des potes à vous? Ouais, c'est la Black Mat Dessou, Esprima B. Je comprends rien ce que tu me dis. C'est la Black Mat Dessou, Esprima B. Esprima Doki. Ah, moi, je veux pas qu'on voit ma tête, moi. Non, pas ta boîte. Non, mais explique-moi un peu, j'ai pas compris ce que tu as dit. Nous, c'est la Black Mat Dessou, Esprima B. La Black Bouka. L'équipe, c'est ça. C'est quoi? C'est un surnom? C'est un nom? C'est quoi? C'est un nom. Et. Comment vous expliquez que c'est autant dégénéré, là, les embrouilles? Oh, les embrouilles, ça existe depuis longtemps. C'est vous, ouais. C'est vous quand vous êtes venu, ça a été médiatisé par rapport à Paname, mais depuis longtemps que ça existe. Oui, ça date, mais. Depuis quand? Histoire d'amour entre voilà, nous. On les aime. Skiff. On se kiffe. C'est vrai, meufs. C'est comme nos meufs. Pour les tarots, nous tarots. Voilà. Non, non, pas dire nous tarots. C'est vrai, parfois, non, parfois, parfois, on met pas de préservatif. Ouais. Parce que voilà, quand on aime bien douiller à balles réelles. C'est tout, hein. On aime bien les sodomiser un peu, la def. Là, comme vous voyez, là, on a Saint-Denis. Mais à part que nous, si vient à Saint-Denis, il y a l'équipe de Guada là-bas. L'équipe de Caps. On a une équipe. Ah, les Caps, c'est Caps. Ici, ils viennent, des fois, ils viennent en voiture, ils font le fou, mais ça pas que c'est comme un cimetière pour eux. Voilà.
Manière réussie. Attention, ça sert à rien de parler à la télé, c'est son terrain. Ouais, seulement si ils savent nager, s'ils savent nager, ils peuvent venir. Ils peuvent venir, hein, maillot de bain, s'ils savent nager. C'est tout. Qu'est-ce que vous pensez de votre pote qui a fait de la prison à cause de tout ça? Ah, c'est un peu bête, ouais, c'est quand même. Mais... Là, il a fait de la prison pour que de la merde. Que de la merde. Que de la merde. Que de la merde. Là, ouais, on est là, là c'est le week-end, mais sinon dans la semaine on a d'autres vies. Faut pas croire qu'on est là pour s'embrouiller. On est là, on a nos formations. On pense aussi à notre avenir. C'est ma femme. Mais quand il y a des gens qui sont là pour nous casser les couilles, on est obligé de répondre présent. C'est tout. Voilà. Mais faut pas croire que tout ça, ça nous plaît, on est là, on kiffe s'embrouiller ou faire le fou. Ouais, quoi. Non, c'est juste le délire, c'est que ils nous prennent la tête, ils font les fous, donc on est obligé de répondre présent. C'est tout. TF1. Droit de savoir. Non, à part ça, à notre adjectif. Excuse-moi, ça m'intéresse bien ce que tu me dis. Il y a un truc que je comprends pas, moi. C'est que ton propos, je l'entends parfaitement, t'as une life, machin, le week-end entre potes. Mais comment on gère une vie normale, classique? Avec, s'il y a un embrouille, on va carrément, on se fait des coups de couteau, on arrive avec des hachoirs. Moi, c'est ça que je comprends pas très bien. Ah, là, tu sais que Nous, on mène nos DPFR la semaine. Maintenant, je sais pas, je rends un jour, un exemple tout bête, je rentre de ma formation, quelque chose comme ça, j'entends mon pote, il s'est mangé un coup de couteau par un tel ou telle équipe. Ça va pas le faire. On va s'organiser pour faire quoi? Pour vendre, pour riposter, c'est comme ça. Il faut bien dire, voilà quoi, nous là, jusqu'à maintenant là, on est comme une famille, c'est la famille. C'est la famille, c'est la famille. C'est-à-dire, on touche pas la famille. Voilà quoi, faut changer les mots aussi. Ah ouais, c'est bipé, il y a tout, t'inquiète pas, c'est coupé ici. Tac. Et s'il y a un petit bout qui dépasse, je mets du flou. Il faut changer les mots. Hein. Ouais, je t'inquiète. Ils ne prennent pas la tête, on leur prend pas la tête. Voilà. C'est la famille. Ce qu'ils ont fait, il faut qu'ils assument. Parce que là, on n'a pas, on n'a même pas encore répliqué, on n'a rien fait. Nous, on attend. Parce qu'on les a laissés, ils venaient avec nous, ils dansaient, ils ont pris la confiance. Voilà. Et nous, comme des bêtes, on est tombés dans leur piège. Je veux qu'on continue un peu sur ça, on sait qu'il m'intéresse de discuter un peu. Les mecs, la défense, c'est comment on appelle ça? On appelle ça des. On va dire tout bêtement, c'est des suceurs. Voilà. Tout bêtement. Mais comment tu. Ils n'ont pas de personnalité. Moi, je dis c'est des suceurs parce qu'ils n'ont pas de personnalité. Et les mecs du Senet, c'est des baltringues. Parce qu'ils sont embrouillés avec nous, normalement, c'est Senet. Ils sont partis à chercher des mecs à la défense, voilà, faire des alliances. Voilà. Il n'y a pas d'alliance, c'est pour la famille. Quand on fait une alliance, c'est pour quoi? Quand on fait une alliance, c'est pour être plus fort. Parce qu'il y a une seule... Voilà, une équipe qui ne peut pas tenir. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tenir, c'est tout. Alors qu'à la base, c'est parti d'un tête à tête. Voilà. Je sais pas, dans la vie, on est tous des bonhommes. On ne peut pas toujours être le plus fort. Un jour, tu vas te faire frapper. Le lendemain, tu vas frapper quelqu'un. Mais c'est pas que tu vas perdre la tête à tête, tu vas ramener ton équipe pour niquer la personne qui t'a niqué. Si t'es un vrai bonhomme, t'assumes tout seul. Là, je dis pas de nom, mais la personne qui se fait défoncer, elle va se reconnaître. Ça va pas trop loin des fois, justement. Non. Jeannot, ça bat le couille. On a pas demandé à ce que ça aille aussi loin. En pote à nous, il a fait ce qu'il a à faire, il a gagné son combat, ça devait se finir là. Déjà là-bas, ils ont attendu 3 semaines, c'est-à-dire que pendant 3 semaines, ils réfléchissaient à faire ce qu'ils ont à penser à répliquer. Nous, pour la Def Mafia, on laisse seulement la NSP, les kits de type va s'occuper d'eux. C'est tout la NSP. Voilà, ok, nettoyage. Voilà, c'est bon, c'est pour la NSP. Négro, c'est plus NSP. Voilà, tu te dois parler d'autres trucs avec vous. C'est pour ça que je voulais vous voir. Sauf Randy, la lance-bas. C'est. À la bien. Merde, j'ai perdu une fille. À la bien. On a nos vies. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai ma femme, tous les jours, elle pleure pour moi. Il y en a, ils travaillent, ils sont armés. Faut pas faire de parler. Faut pas faire de parler. Il y a un pote, on va pas le citer, qui est sorti hier soir. Ouais. Vous pensez quoi? Vous pensez que c'est juste qu'il ait fait un mois de prison pour ça ou pas? Maintenant, il vous dit un truc, c'est pas juste. Mais ça veut pas que je vous dis un truc. Là, ils sont en prison, ils ont pris des deux pistes pour la même histoire. Vous êtes même pas courant. C'est parce que l'histoire, elle est passée à Palam. Là, c'est pour la Sana. Ouais. La Sana est Joladouille. Ouais. Joladouille, la Sana, c'est pour vous. Ça fait 6 ans, on est pour la Sana. Voilà. 6 ans. 6 années. On se tire dessus. On se met des bisous. Ça date que de 6 ans, c'est pas que... Ça rentre pas là-bas. Parce que ça s'est tapé à Panama. On a vu vos collègues qui sont allés au Chenet, on les entendait dire, ouais, ici ça casse des bouches. Mais ça c'est qu'à la télé. On a jamais vu casser des bouches. On a jamais vu casser des... Ah, c'est qu'à la télé. On les a jamais vu casser des bouches. Allez, ça fait ça. Tama, attention. Ouais, là c'est un couteau. C'est pour blesser. Nous, on va en tuer, nous. C'est tout. Ça sert à rien de parler de toute façon. On parle pas, nous. Okay. On agit seulement. Les gars, honnêtement, j'ai bien compris là. Voilà, vous êtes vénère contre eux. Voilà, on a pigé le truc. Moi, je voudrais aborder d'autres choses avec vous. Tu vois, c'est pour ça que venir, on est calme encore. Hein, depuis longtemps. Non, je me doute bien. Je sens bien que t'es. Nous, c'est juste quoi? On dit quoi? C'est con. Parce que là, il y a des potes à nous. Les Schmitt, c'est sur nos côtes, mon frère. On peut rien faire pour le moment. On sait qu'on sait. Il y a des potes à nous qui vont en prison. Il y en a qui se mangent des coups de couteau. C'est pas lourd. Tout ça, plus tard, on va y penser. On va dire c'est con. Regarde-moi, c'est très bien que. Quand quelqu'un touche à la famille,
Ah, les autres sont obligés de venir. C'est plus fort que tout. Voilà, c'est tout. Bah, c'est la famille, c'est là-bas ceux qui sont là pour assurer tes arrières. Au cas où t'as un problème, ceux qui sont là, c'est demain, que ça. Demain, qu'un de nous il a un embrouille, c'est qu'il pourra compter sur la famille, c'est comme ça. Nous, ils auraient rien fait, on n'aurait rien fait, parce qu'à la base, nous aussi, ça nous saoule. Ça y est, on a grandi. Pendant toutes les vacances, on allait. Ah, tous les lundis, on les voyait. Il se passait rien. On était 40, ils étaient 10, on les faisait rien. On leur faisait rien, parce que nous, on n'est pas des baltringues, nous, on n'a pas le temps de. Nous, on n'attend pas d'être beaucoup pour faire ce qu'on a à faire. Même on aurait été 10, si on aurait voulu faire quelque chose, on aurait fait ce qu'on a même fait. Même à 5, ça sert à rien de parler. Surprise. Ok. Surprise. On passe à autre chose. Ouais. Pas de problème. Surprise. Que votre pote ait fait de la prison, ça vous fait quoi? Non, pour moi. Ça vous calme, vous avez peur, vous allez dire ah putain, c'est non, toi. J'ai rien à peur. C'est pas de la peur, mais on est là. C'est pas de la peur, s'il vous plaît, les gars. Vas-y, je t'en prie. À la base, dire, c'est pas qu'on a peur, parce qu'à la base, dans l'équipe, là, sont tous là qu'on est. Ouais, là, 50% déjà fait de la prison. Pour des vieux trucs, ou là, parfois pour des trucs, ça dépend. Ah, il y en a qui n'ont pas fait la prison, mais ils l'ont frôlé de près. L'ont frôlé. Mais ça, c'est quoi? Maintenant, lui, il est parti en prison et ça pouvait arriver à lui, à moi, à tout le monde. Ouais. Mais ça, ça va se faire. Non, d'ailleurs, c'est quoi? C'est pas qu'on est question que c'est de la peur. Mais faut dire, faut pas faire les mythos. Voilà. Faut être réaliste. Ouais. Ça te retient un peu. Ça te retient un peu. Parce que vu l'histoire, maintenant, elle est médiatisée. C'est des trucs. C'est-à-dire que celui qui va faire un truc, ou qui sera qui va pas faire un truc, qui va prendre, il va prendre beaucoup. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je voudrais parler encore d'un autre truc, parce que moi, dans mon reportage, je parle de plein de choses, pas de Gare du Nord, vous verrez, hein, y a plein de trucs. C'est quoi vos relations avec la police, ici ou ailleurs? Bon, ici, on va dire que la police, c'est calme. C'est calme. Ici, c'est calme, mais à Gare du Nord... Franchement, à Gare du Nord, on peut dire que des fois, il y a... Ils abusent. Ils abusent un petit peu, des fois. Ils abusent trop, même. C'est-à-dire? Parce que depuis que Fuyon, il est passé à la télé, maintenant, soi-disant, pour n'importe quoi, ils contrôlent au moins 3 ou 4 fois dans la journée. Voilà. À la base, avant, jamais rien, ils savent qu'ils vont rien trouver sur nous. Avant il ne voulait pas le faire. Depuis que Fuyon est venu à la télé, il a fait son bon petit discours. Avant, à la base, il demandait, vous avez des stupéfiants, maintenant ça demande, vous avez des cutters, des couteaux. Voilà, et maintenant, comme ils ont vu ça, c'est-à-dire qu'ils ont dû avoir encore plus de pouvoir. Ils contrôlent pour rien, ils sont là pour rien, ils abusent. Pour un rien, ils essaient de monter, de provoquer pour que ça monte en puissance. Pour que ça chie, ça pète. Voilà. Et après, tu ramènes en prison. Donc après, tu ramènes en prison, ils vont te mettre quoi? Rébellion. Comme ils m'ont fait, ils m'ont mis rébellion. Insulte tout ça, ils refusent. En gros, sur toi, genre, là. Ils avaient rien, hein? Parce qu'ils sont venus, ils ont voulu me faire une clé de bras, je l'ai poussé. Alors, puis la fête au cinéma, ils sont venus, ils m'ont tombé à 7 sur moi, normal. Mais c'est pas possible, on contrôle pour rien. On m'a pas s'appeler. Bien sûr. Ils contrôlent pour rien, ils contrôlent pour un ou pour un non, parce que par à ta gueule. Dès qu'ils voient un jeune noir, teinture ou avec des gants. Teinture, voilà, c'est tout. Alors, ils veulent remplir leur prison. Mais ils savent pas que. Ils savent pas que c'est les petits mecs qui se passent en mode skater là, ça jusqu'en bas de la Cef. C'est quand les mecs comme ça qui ont de la Cef. Mais j'ai jamais compris, à chaque fois les murs des fois c'est venu au nord, à Gare du Nord. Ils n'ont jamais eu pour nous. On va la dès qu'on arrive, on n'a même pas le temps de faire un truc, sur un mec direct s'il y a les keufs. Boum. Direct. Dès qu'on sort du train. Le commissaire est à côté, sur un mec, mais à défense. Même déjà, les keufs de la défense, ils font quoi? Ils disent que tu te fais péter au commissaire de la défense, ils te relâchent. Comme ils savent que les mecs ils t'attendent dehors, ils te relâchent pour que les mecs ils terminent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je voudrais savoir, moi, un peu, en plus que, honnêtement, ce que tu as sur le cœur, comment vous vivez ça, ces contrôles? Non, c'est relou, c'est chiant. C'est relou, mais allez, maintenant c'est habituel, on marche, on contrôle, hop, on a rien, on part, c'est... Mais si, là, ici, voilà, à Saint-Denis, à Saint-Denis, ça va, c'est calme. J'ai juré que les seules fois que je me suis contrôlé ici à Saint-Denis, je me suis fait contrôler deux fois à Saint-Denis, et les deux seules fois que je me suis fait contrôler, c'était des keufs de Gare du Nord. Ils n'ont rien à faire là-bas. Et toutes les fois que je me suis fait péter à Gare Saint-Denis, toujours les keufs de Gare du Nord qui m'ont pété. Je tiens à dire un mot. Puis ceux qui croient que les mecs de Gare du Nord, les mecs de trucs, c'est des mecs qui ont reçu de leur cité, c'est des gros fils de pute. Voilà. Parce que t'inquiète pas, cousin. On a notre vie, tout le monde nous connaît, tout le monde sait qui on est. Moi, j'ai rien à dire. Chacun son équipe dans sa vie. Moi, viens dans ma cité. Parce qu'il y en a, j'ai vu le reportage, Crary, ça parlait. Ouais, rejeté. Ou soi-disant, on se cache à Saint-Denis. Et même ceux qui ont dit qu'on se cache à Saint-Denis. Voilà, c'est à la base, comme je dis tout à l'heure, il y avait deux équipes. Il y a Saint-Denis. Les mecs de Saint-Denis, les mecs de Gare du Nord, mais c'est la même famille. Tu touches au nord, tu veux Saint-Denis, tu touches au nord. Voilà. Moi, ça m'intéresse bien aussi, ces histoires, vos relations avec la police. Donc, Gare du Nord, j'ai compris. Et ensuite, ici, donc tu m'as dit que c'est cool. Ici, c'est cool. Ça dépend pour certaines personnes. Ça dépend pour certaines personnes. Moi, j'ai les flics qui m'ont parlé. Ils m'ont dit, ouais, des flics du 93, ils me disent, ouais, il y a des endroits où on peut plus y aller. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est vrai. Ils sont punis, Ils n'ont pas fait leur devoir, ils sont punis. C'est une gare, c'est pas dans les cités. Ça, monsieur, on peut pas vous parler exactement. C'est vrai que cette gare-là, elle est pas comme les autres gares. C'est vrai que ici, c'est un peu le wood, quoi. J'avoue, ici, il se passe souvent des trucs bizarres. On est là. Encore, on trouve un corps dans la. Regardez le canal là. Son mec a trouvé un corps dans la carte. Il y en a, ils vont venir un jour, ils vont sauter dans le canal. Il y en a, ils vont nager. Ils vont délire. Personnellement, ici. Mais parle-moi un peu. Personnellement, c'est intéressant ça.
Tu dis que là, ici, il y a des trucs bizarres. Là, je. C'est pas que non, il se passe que des tirs. C'est pas que ça dépend, des trucs rien à voir avec nous. Ça peut être un Cap-Verdien et des Cap-Verdiens. C'est pas, il y a des morts ici, des Cap-Verdiens qui plantent. Des trucs, et nous, on croyait pas qu'on dit ça. Rien, nous, ah non, dis pas ça à la télé pour impressionner le monde. Non, on a rien à foutre, hein. Parce que toi, ouais, nous, on parle normal. Mais eux, quand ils nous observent, ils vont se dire, regardez, ils font du cinéma à la télé, ils veulent impressionner, nous, on impressionne nous, personne. Nous, on n'est pas comme eux, nous, on dit pas, on casse des bouches, nous, il n'y a pas de cassage de bouches. C'est bien, CDB, ou CDM, je sais pas quoi, là. Nous, on va très même pas deux jours. Non, il y a rien, nous, on a rien à montrer, nous. Même pas rien à montrer. Attends, il y a rien à montrer, mais. T'es là, mais tu attends, voilà, il y a rien à montrer, mais on pouvait vous montrer des trucs. Il y a rien à montrer, mais on a rien à vous montrer. En vrai, t'en as rien. Venez à Sani, y a rien. Y a rien, venez. Venez à Sani, soi-disant, on a rien. Amuse à venir à Sani. Vous êtes tellement beauté que ouais. Ils viennent à minuit, tout ça. Viens à minuit, on est pas là. Viens samedi. Ça va canner, ok, ça j'ai bien fait. J'ai l'impression que vraiment la violence, les trucs, tout ça, c'est banal pour vous. C'est non, hallucinant. C'est pas banal, mais c'est tellement devenu récent que maintenant, moi je vous dis la vérité claire. Franchement, si demain on me dit, t'as un travail, t'es posé, tout ça, si demain on me dit, va à Bordeaux, change de vie, je me barre. On peut s'en sortir. Demain on me dit va à Bordeaux. Dans la vie on peut s'en sortir, mais avec des petits cons comme on peut pas. Écoutez, même si je vais travailler là-bas, je sais que je vais là-bas, je vais me battre, on va me virer. Eux ils vont aller là-bas, ils vont se faire virer. Comment vous voulez que je fasse ça? Avance, ça avance pas moi. Demain on me dit va à Bordeaux, on te trouve un taf, t'es posé, tu refais ta, je me barre. Je vous dis, écoutez, je vais pas oublier mes potes. On va oublier ma tête ici. Vous embrouillez là. Même, on va dire, moi, du jour au lendemain, je vais croiser les deux, je suis dans les embrouilles. Mais eux, comme ils savent que je travaille avec eux, ça part. Ils vont quand même mettre dedans. Ils vont quand même mettre dedans. Mais il faut dire un truc. Il y a un truc qu'eux, ils font. Comment on sort de tout ça, là? Mais attends. On s'en sort pas. Il y en a qui sont sortis. Eh, ça ne pas se sortir parce que, écoutez, ça se passe comment? C'est ça la vie. Il y en a qui va se sortir, il y en a un autre. Comme si on arrive, bon, c'est fini aujourd'hui. Oh, il y en a l'autre, tu vois. Il y en a plein là-bas, il faut leur nom. Ils t'ont fait avec avant, donc ils vont te faire un truc. Oui, il faut dire, il y en a plein, il faut leur nom sur ces embrouilles là. Mais voilà, il y en a bien, il faut leur nom sur ces embrouilles. Avant, il y a des mecs, je suis un mec de l'église, on les voit ici, ils priaient, je suis un mec de l'église. Non, mais quoi, alors laisse tranquille, mec de l'église. Après, il va dans le skyblock. Mais quel bail! Ça arrête de mettre Dieu dans l'église, t'assumes! Arrête de mettre Dieu dans l'église! Il va sur le scrambler, on va vous baiser, tout ça, il met plein de noms, leur nom! Ils mettent dans les scrambler, ils marquent, on va vous niquer! Ça arrête de parler à la télé, internet, tout ça, ça sert à rien, c'est le terrain qui compte! Attends, on va dire un truc clairement! Et on va dire un truc clairement, j'ai juré sur la vie de ma mère, que si jamais on veut péter, sur un mec, on va péter tout de suite là! Mais on s'en bat les couilles. On s'en fout. Ils sont de la formation normale. Mais demain, on m'appelle, on me dit tu manges un couteau ou il y en a. C'est obligé que tout le monde va venir. C'est obligé. Okay. C'est la solidarité, c'est tout. De toute façon, quand ils marchent dans la rue, regardez aux alentours. Attends, moi j'ai juré. Écoute, moi j'ai juré. Je vais te jurer maintenant. Mais c'est pas toi qui me regarde là. Je sais qu'il y en a pété plusieurs avec leurs meufs. Hein. Ils parlaient pas. Non, mais Bordeaux, c'est fini les embrouilles. Oh, mais ça, quel bail. J'ai juré sur la vie de ma mère. Toi là, je sais, je vais pas dire ton blaze. Hein. Mais ça traite plusieurs fois que ta meuf. Mais je suis dans les embrouilles après, je t'ai vu. Mais pas dit. Comment vous rencontrez? Esprima B and Doc. On se connaît par rapport aux anciens. Les anciens, tout. Voilà. Les grands, c'est ça, c'est la famille. Comme là. Voilà. On a un ancien, ça fait longtemps, il est là. Lui, il m'a vu grandir quasiment. Il m'a vu quand j'avais 12 ans. Aujourd'hui, j'en ai 19. J'ai vu plus vieux. Il m'a vu cousin. C'est
famille. Il m'a vu, lui, il m'a vu, cousin. Ça fait un an que je suis là. Depuis que j'ai 12 ans jusqu'à 19, comptez le temps. Il a toujours bougé pour moi, il n'y a pas de rejeté, cousin. Voilà, pas de rejeté, moi, c'est la chute. Moi, je suis rejeté de ma cité. Vas-y, viens avec moi dans ma cité, tu vas te manger des grandes barres. Voilà, moi, je suis rejeté, viens me chercher. Ok? Moi, c'est Berima et la Caravelle, Villeneuve-la-Garenne. Si, si, 9392. On veut sortir sur scène. Je vous passe mes peu de Montargis. Famille, tout ça. Ouais, mais cache les bois, cache les bois. Ah ouais, cousin. Décasse à ma femme, Caridia, t'inquiète. Ça rentre par les garçons. Ouais. Eux, c'est la garde du Chenet. Venez dans les cités à Saint-Denis. Moi, je monte tout, moi, je connais tout le monde. Mais là, moi, c'est moi. Là, tu restes avec moi, c'est moi. Viens dans ma cité, les grandes barbes. Je vais discuter un petit peu. Ah ouais, ouais. Allons, ça fait. Je vais parler un peu pour ça, là. Attends, on se fait filmer, là. Ça peut aller loin comme ça, peut s'arrêter, cette histoire. On va la chasseler après. Ça peut aller loin comme ça, peut s'arrêter. Ouais, c'est bon, après, voilà. C'est simple. Ils m'ont carrément dit ça. C'est bien que vous entre vous, mais dans vos cités, il y aura moins d'enculés. Autant là, c'est sur Paris, ça vous dérange. Ils m'ont carrément dit ça, les policiers. Tuez-vous entre vous, il y aura moins d'enculés. Qu'est-ce que t'en as pensé de ça? Ça fait quoi? Hey. Ouais, je me suis dit quoi? Ça, c'est ce qu'ils pensent de nous. La bosse, c'est un inculé. C'est ce qu'ils pensent de nous. Je sais pas, il y a un clochard aux alentours, je sais pas quoi, il a dit comme quoi. J'avais dit que j'allais le tuer. Or que c'est mon pote qui est en galère, ils ont dit je vais le tuer. Ils m'ont mis des coups de matraque d'envoi, c'est mon prix. Sur un mec, j'étais là en plus. Sur un mec, ils l'ont plaqué pour un. Ils m'ont plaqué coup de matraque. Il est venu pour un. Ils sont venus sur. J'étais là sur tête du métro. Sur un mec, il regarde. Ah, ils ont pété l'OP, c'est mon pote. Voilà, ils l'ont attrapé. Je vais dire un truc. Les casseurs de bouche, ils ont couru jusqu'à Saint Lazare. Voilà. Les casseurs de bouche, ils courent pas. Excusez-moi, en fait, la golf, elle est là-haut. Où est la gueule? La G! La G! Les gars, y'a pas de la G, la S! La S, c'est de nous! Y'a pas de garde du Nord! Je donne! Que les mecs ont la haine! Non, ce qui m'intéresse, c'est. S'il vous plaît, menacez-moi! Voilà! La police! Ils sont là! Ils me regardent pas, moi, ils me provoquent pas! On va châteler après, on est là-bas avec les bois d'à côté! On va châteler après, on va là-bas! On coupe ici là! On a plus rien à dire! Mais maintenant, ils sont là, cette phrase, ça voulait tout dire, ça voulait bien dire que non. Peut-être il y a certains jeunes qui ont une haine envers les policiers, mais c'est vice versa. Mais quand tu dis à des jeunes, tuez-vous entre vous, il y aura moins d'enculés dans les cités, ça veut tout dire ça. Voilà. Ça veut tout dire. Et je voudrais revenir sur ces. Mais ça, on n'en parle pas, ça, pourquoi? Parce que c'est des policiers. C'est pour ça. Mais voilà. Vas-y, nous, on y va. Pour la police. Allô. Les gars, j'ai besoin de vous. Allô. J'ai besoin de vous. Ah, Sanis, je vais arriver à Châtel. J'ai besoin de vous. Le truc, c'est que je peux pas arriver sur votre interview direct. Je peux vous demander d'aller de l'autre côté. J'arrive là. J'ai que vos pieds et je vous vois arriver. Ouais. C'est pour toi qu'on sera mon reportage, sinon je vais montrer les images. Ouais. On veut quoi? On va arriver comme ça là. Bon, on fait le tour maintenant là. Comme ça. Putain, ouf, toi, t'as comment avoir ça? Esprit de. Eh, c'est pas. Eh, maman, c'est pas moi. On a pas fait du cinéma tout à l'heure. La boîte, t'es maintenant là. Ouais, c'est bon, même pas. Eh, les mecs, venez en retour là. Venez, là, il a dit. Eh, venez. Madame. Venez, on va voir une équipe. Non, ouais. Pardon, lui, il est con, vraiment. Lui, Mais là, vous me faites une mauvaise, vous êtes un bâtard. Je suis un mec, j'ai envie de voir les caps, tu dis voilà l'équipe. Non,
La blague, mon idée, c'est pour ma mère. Tu dois tout. La G. La G. Non, parle pas trop. Vous avez vu, Même déjà, j'ai rien à voir dans l'histoire, j'arrive, je vous autorise. Il n'y a pas de rejeté dans les cités, que des grandes voix. Quand tu veux le corap comme eux? Ouais. Et vous voulez le corap comme eux? C'est pédé là. Ils vont me cramer après comme ça, gars. Voilà ma dernière. Arrête. Ouais. Arrête. C'est Tupac, c'est comme ça, Tupac. C'est qui, c'est eux? Kéba, viens. C'est bon, t'as la cesse. Voilà, t'as gagné. C'est bon. Je suis avec toi. T'as où là? Pourquoi j'ai dit ça aux gens? Je veux dire que je ne parle pas. Mais dans la chapelet avec eux. Moi c'est Bordeaux. Tu vois, ils ont filmé, ils coupent la tête. Tu veux expliquer un peu, je vois plein de petits groupes un peu partout ici à Saint-Denis. C'est quoi? C'est des bandes, c'est des copains, c'est quoi? Comment ça se passe? Là on est chez les Caps, t'as vu, là on est chez les Caps. Voilà, c'est le coin des Caps. Ouais. Donc explique un peu comment ça fonctionne ici. C'est des petites bandes, des groupes d'amis, c'est quoi? En fait, il y a plusieurs équipes. Oui. Je vais parler à monsieur. Ouais, comme il a dit, ouais, c'est. Voilà, quoi, on est des copains comme ici, ça. Ici, on dit c'est le Caps, t'as vu? Voilà. Nous, on est là, nous, on est des Caps, ouais, c'est des. Voilà, quoi, c'est des mecs comme nous, c'est des potes à nous. Et il n'y a pas les mecs de la défense, ils viennent ici, voilà, quoi. Si, c'est ça, on va pas laisser ça. Ils sont ici, on est bien, tu vois, voilà, quoi, tranquille. Voilà. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est quoi les Caps? C'est quoi? Des fois, vous vous appelez avec des noms. En fait, ça fait Los Angeles, moi je comprends pas. En fait, ici on est que des Capverdiens, il n'y a que des Capverdiens ici. Voilà, c'est leur secteur. Voilà, ici c'est à nous et là-bas c'est à eux. Voilà. Voilà quoi, et comme on est pour. C'est en bout, tu vois, c'est tout, ils viennent direct. Voilà. Mais voilà. C'est-à-dire quoi, c'est à nous, c'est le territoire. C'est leur quoi, leur territoire. On est là tout le temps, c'est pas que question, c'est à nous quoi. On est là tout le temps, on traîne ici tous les jours. Voilà quoi, c'est comme si on peut dire. Attends, moi je vais parler vite fait, il y a deux secteurs, tu vois. Là-bas c'est chez nous, là-bas c'est le Kinfri, on est tous Kinfri là-bas, les Antillais, tous Kinfri. Mais là-bas, en gros, le Kinfri est entre nous, après il y a les Antillais, là-bas il y a le ghetto, il y a les Guyanais, ici il y a les Caps, tu vois. Mais c'est tous la même, s'il y a un bonbon, s'il y a un truc à manger, on est tous ici, ouais. Voilà. Et les Anambou, on est là, on démarre. On est Anambou, ils sont là, ils démarrent. Mais tout le monde démarre. Vous vous réunissez comment? Par quoi? C'est quoi le point commun? Non, si, il y a un embrouille. C'est par. Parce que vous êtes tous des origines du Cap Vert, c'est pour ça? Voilà, ici, ouais, voilà, ici, ici. Ouais. Même pas? Ici. Ah, ici, c'est intéressant. Jessica, vous dites un mot? Jessica, c'est bon. Eh, une fille, c'est bien. Non, c'est jamais si son copain n'est pas d'accord, elle va te planter, tu vas voir. On n'est pas tous des capos. Non, c'est pas des capos. Toi, là, c'est l'équipe, toi, je peux filmer. Toi, là, ils sont tous là. On est bien d'accord, comme tu disais tout à l'heure. Je peux filmer les filles. Il y a là-bas, c'est Martinique. Ici, c'est des capes. Voilà, ça, c'est leur équipe. On est bien d'accord. On est mélangés tous ensemble à la base. Il n'y a rien qui nous réunit à part l'envie. La question que tu as posée. Qu'est-ce qui nous a réunis? L'envie de se retrouver. Voilà. Chaque pays a envie de se retrouver. Voilà. C'est comme intéressant. Voilà. C'est la raison, en fait, qui fait qu'on est tous là. C'est un pays. Voilà. Parce qu'on est dans un pays qui n'est pas à nous. Voilà. Et de temps en temps, on a envie de trouver un pays qui est à nous. C'est-à-dire. Voilà. Nous. Quand tu es ici, c'est comme si tu es au Cap Vert, comme tu es là-bas, comme si tu es à Dakar, au Zaïre, là-bas, tu es en Guyane, là-bas, tu es en Martinique. Tu es au Zaïre parce qu'il n'y a que des erreurs. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc là, c'est qui tous les. C'est l'équipe, A+. En fait, le nom il fait peur, mais Cap, ça fait Blood, Crips, quoi. Mais en fait, c'est pas ça. T'inquiète pas. Les Caps, c'est les mecs criminels. Voilà. Les mecs vendeurs, c'est venu ici, vous allez voir, c'est qui le Cap. Mais non, mais je passe là, tu vois, franchement. Les Caps, ce discours-là, c'est pas ça que je veux montrer, ça m'intéresse pas, mon pote. Les Caps, c'est le dernier recours. Tu me dis. C'est le dernier recours, les Caps. C'est ça qui m'intéresse, vous m'expliquez un peu plus, parce que nous, on comprend pas. C'est pour ça que les journalistes décrivent guerre ethnique, machin, parce qu'on comprend pas, quoi. Donc là, vous venez de m'expliquer. Ça c'est intéressant. Il y a pas de... Non mais là je viens de comprendre. Pourquoi déjà on est là, c'est ça? Non. Ouais, non, ça je comprends. Mais le discours de la fille c'était vachement intéressant. Elle m'a expliqué que voilà, on se retrouve avec le copain, qu'on a.
Bah voilà. Et on s'amuse bien entre nous. On s'amuse bien. Voilà quoi. Toi, par exemple, quand ils sont à la garde Sony, nous aussi on est là. Voilà. Des fois, du genre, ouais, voilà. Ils ont une embrouille avec la défense, tout ça. La défense, ils viennent ici, toi, on les voit comme ça, on va les faire comme ça. Voilà. C'est vite fait. Par exemple, c'est sûr, je veux dire truc. Pas le droit de venir ici. Voilà. Comment ça se passe avec la police par ici? C'est quoi vos relations avec la police? Faut vous voir en petit groupe comme ça. Comment ça se passe? Ça se passe bien, ça se passe mal? Ils sont habitués, les policiers. Ils sont habitués. Voilà. Ils passent ici, ils sont habitués. Ils sont habitués. Ils savent qu'ici, ils savent tout. Ils savent qu'ici, c'est un coin des caps. Là-bas, c'est là-bas. Là-bas, c'est là-bas. Ils sont habitués. Voilà quoi. Voilà, c'est sûr que. On peut. Voilà. Et là, Mendes. Et au niveau de la violence, Mendes. Je rappelle Mendes. Attends. On vient là-bas, ça va faire la chose. On va laisser vrai là-bas. On va lâcher la terre, c'est tout ici. Ah mais là, c'est bon. Ah mais là, c'est bon. Allez. Oh, bien lui. Oh, je vais Il n'y a pas, il cache toute la tête, Non. Moi, il cache ma boîte. J'ai le micro sur moi, mais il change ma boîte, tout d'abord. Voilà, la châtelette, tout d'abord. Viens, reviens, ta main, je vois. Et tout le monde va la faire ici. Les gars, j'ai besoin de vous. Ouais, j'ai besoin de vous. Ça, c'est plus pour moi, pour qu'on sorte. J'aurais besoin qu'on tu vois, on aille quoi, 20 mètres et que vous filmez les pieds en train de marcher et pouvoir arriver ici. C'est pour que nous deux. Pardon, attention. Que nous deux. Ouais, que vous deux. Ouais. Pardon. Vous amenez nous tout. On va pas rester là. Je vais vous partager. Vas-y, allez. C'est bon? Non quoi? Non quoi? Ça sent bien? Non, on est sur le sable. Lou Mendes. Tu veux pas venir? Non, parce que tu m'as expliqué, moi je le savais. Mais comme si je le dis moi, ça a pas de valeur. Et toi, vous m'expliquez, vous, qu'on dit bande, machin, ça dépend. Voilà. Amis qui avaient des points communs. Voilà. Nous sommes un ancien bagarre, et eux, sans plus dire, à ce point, on est là. Là quoi. Ça va vite de toute manière, vous avez vu, il y a des coins de mecs partout. Et à Saint-Denis, on est, par exemple, nous tous là, et à Saint-Denis, le minimum qu'on est, nous tous, on est facilement une centaine. Voilà, malgré tout. Le fait que t'as vu là-bas, il y a une équipe de 50 mecs, là-bas, ils sont 40, là-bas, ils sont là, ils sont 20. C'est un peu facilement 100, facilement. Et le minimum, dans le maximum, il est 100 B, je veux dire quoi. C'est une bonne ambiance. Attends, je voudrais parler de sur le droit de savoir. Esquerre et ton droit au gauche. Et droit au gauche. Et droit au gauche. Et droit au gauche. Comment on peut avoir une bonne ambiance comme ça, il y a des sourires, de la musique, mais dans deux heures ça peut se mettre de plus de côté, comment on peut passer de l'un à l'autre? Je ne peux pas toucher à la famille, mais c'est mais tout. Ça, tu vois, je peux pas t'expliquer parce que voilà, quoi, tu vois, il y en a, ils ne se contrôlent pas, mais sinon, tu vois, quoi, c'est pas comme on dit, hein, genre des coups plutôt comme ça, c'est pas gratuit, c'est des gens, ils viennent, ils cherchent, voilà, quoi, il y a des gens, ils sont pétés en boîte, c'est comme soir tranquille, tu vois, après ça peut partir. Tu regardes bien, sinon, c'est jamais entre nous, quoi. Voilà, tu regardes bien, du coup, c'est pas entre nous, mais comment moi,
je vois les mêmes personnes ici qui sont cool, quoi, tu vois. Mais ils m'ont dit il y a une heure qu'ils pouvaient aussi aller se mettre sur la gueule, vénère, quoi. Comment on peut passer ça à cette extrême? Pas toucher à la famille, c'est tout. Voilà, pas toucher à la famille. Il faut pas dire, il faut le respect. Et pour le respect, c'est tout. Le respect, dès que t'as le respect, c'est bon. Ça représente quoi le respect? C'est si important ça? Ah ouais, c'est important dans le métro. C'est important ici. Ouais. C'est important ici. Le respect, c'est... Voilà, quoi. C'est ça. Oh, c'est moi le chef du Saint-Denis, hein. Ah non, qu'à la barre, quand même. C'est moi le chef, hein. Dès qu'il y a le respect, voilà, quoi, il y a tout ce qui se passe bien. Là, c'est par rapport à la Gare du Nord, Saint-Denis. Gare du Nord, la Défense. Voilà, là vous pensez le chef. Le chef, tu te rappelles la caméra que vous avez serrée là-bas? Comment ça s'appelle, Jérôme? Dis-moi, venez, on va à Châtelet maintenant. C'est bon, là. Hein? Je l'achète les gars. Ça va vite fait, ça se passe. Là-bas, si on voit là-bas, il y a du boucan. Ça va vite fait, eux, ils comprennent. Nous, on est mecs de cité, on comprend direct quand il y a bonbon. Là, il y a bonbon là-bas, hop, tout le monde vient manger. Oh, c'est le bonbon là. Voilà, ouais. Dis, quand il y a bonbon, tout le monde vient manger. Dis, ouais, quand il y a bonbon, tout le monde vient manger, tout le monde a faim. Demandez comme ça. Si lui s'embrouille, ça marche la solidarité. Non, c'est parce que comme ça, je vais vous dire, si lui s'embrouille, je ne vais pas chercher à savoir si lui a raison ou si lui a tort. Je démarre direct. Si moi je m'embrouille, même si j'ai raison, si j'ai tort, lui démarre. C'est ça. Si je démarre quelqu'un, c'est ma raison, lui c'est sa raison. Tout le monde a la même raison, c'est tout. Même s'il est en tort, même s'il a raison, on démarre. Bon, moi j'ai le bonbon, la faim. Pays, c'est pas la France. Je veux dire un truc, moi, Hello, Meldes. Hello, fond, là, après. On y va. Vous allez où, là? On va faire une affronte dans le 9 de passe, ça se passe pas trop, on va la couper la mer, là-bas. T'as vu la voiture? Elle en règle ou pas? Elle en règle? Didi, tu vas payer la foule pour chaque vie, tu vas payer la foule pour chaque vie. Moi, je vais monter, moi. La foule passe. Alvin, tu vas enlever. Alvin, tu fais quoi? Tu vas me blader, là. Tu te gâches de là, toi, c'est un bébé. Bébé. Attends, va aller. Alvin, derrière, mais c'est un bébé. Casse-toi de là, là. C'est qui, toi? Tu gâches de là, ton mec, tu t'as tué, là. C'est qui, toi? Casse-toi de là, c'est qui, là? Casse-toi de là, mais c'est lui, c'est moi, c'est quoi?
connais, c'est mon balai tout, c'est mon quartier. Qu'est-ce que c'est fou? Là, tu connais, c'est mon quartier, c'est mon balai tout, lui. Je paniquais, je ne suis pas là. Mais pourquoi tu me ramènes? Vous ramènes.